Sang de camp, ceci est le symbole de ta famille. La mort de ta nourrice me libère d'un serment, et je peux maintenant te révéler le secret de ta vie. 20 ans sont passés depuis cette terrible nuit, au cours de laquelle l'usurpateur William Drook attaqua le palais royal avec l'aide des Dayaks rebelles. Jusqu'alors, ton père et ta mère avaient régné en toute tranquillité sur Sarawak et n'auraient jamais imaginé que William Drook, qui jouissait de toute leur confiance, puisse comploter contre eux et contre toi. Le prince héritier et leur enfant. Surtout, ne parle pas, tais-toi. Raya, ta nourrice, pour te sauver la vie, a affronté 1000 dangers. Poursuivie par les assassins, elle a même traversé le marais des crocodiles, d'où personne n'est revenu vivant. Et tout le monde a cru que tu y étais noyé, dans ce marécage. Raya rejoignit ma tante. Nous jurâmes de garder le secret. Tant que tu n'auras pas été assez puissant. Nous voulions te restituer le trône des Sarawak, ce trône qui te revient de droit. Aujourd'hui, tu es le tigre de Malaisie. Ton nom est connu et respecté dans tout l'univers. Ceci est le seul emblème que portent dans ta famille tous les princes. Porte-le. Tu seras maintenant reconnu par tous tes sujets, par ceux qui profitèrent des largesses de ton père, ceux-là qui vivent sous l'oppression d'un étranger. Sagapar, va chez Yanez et Tremalnaik. Dis-leur que je les attends dans 10 jours sur les bords de la rivière Kudat. Mais sans de camp, rejoindre Yanez et Tremalnaik, mais cela représente 200 000 au travers des mers. Tu dois y arriver. Et moi, j'attendrai sur la côte dans 10 jours, au coucher du soleil. Écoutez, mes chers compagnons,
Une nouvelle mission nous attend. Dès maintenant, préparez-vous. Nous devons arracher aux traîtres le trône de mes ancêtres. Je dois compter sur votre courage et votre fidélité à mon égard. Mort aux traîtres, le Raja de Sarawak. Pitié! Toute notre récolte est perdue. Et nos enfants sont tous malades, Seigneur. Ils ont faim. Qui ne paie pas son tribut, perd en même temps et sa terre et sa vie. Tu connais la loi. Quelle loi? Traître que tu es! La loi de mon pays? Ou la loi à laquelle nous devons tous obéir de force et dictée par un étranger? Faites taire cet homme! Obio! Sois maudit! Que le sang de tes victimes rejaillisse sur toi! Pourquoi tant d'exécutions, Damiard? Pourquoi? C'est la loi, princesse. La loi ne doit ignorer la clémence. Je dois te faire un aveu. Oui, lorsque je marche dans les rues, le peuple, lui, me regarde avec mépris. Dis-moi, était-ce différent du temps du vieux Raja? Et le peuple était-il plus heureux? Ne te préoccupe surtout pas de cela, chère Samoa. Regarde, vois donc, toutes tes amies t'attendent déjà. Chaque fois que je te demande de me parler du passé, tu ne veux pas me répondre. Parce que le passé est le passé. Pour une jeune et jolie jeune fille, seul le futur doit compter. Le futur. J'ai peur du futur, Damiard. Je serai peut-être mariée à un homme dur, comme mon oncle. Sandokan est en retard, capitaine Yannès. Les mers du Sud sont bien souvent tourmentées, dangereuses, Sagapar. Et il se pourrait qu'il ait rencontré un typhon. Sidar. Oui, votre Altesse. Cigarette. D'habitude, il n'y a sur ces rives que des singes et des perroquets. Mais je parie qu'il y a là aussi des hommes qui sont en train de nous surveiller. Tu as envoyé Kamamuri en reconnaissance et seul? Ça peut être dangereux. Sois tranquille pour Kamamuri. Il sait se faufiler entre les arbres comme une ombre. Kamamuri. As-tu trouvé quelque chose? Rien, non, rien, personne, rien qu'un feu éteint. Le feu a servi sans doute à faire des signaux. Il n'a pas brûlé longtemps. Il n'y a aucune trace à part le feu? Non, aucune. Les Dayaks sont capables de traverser la jungle en sautant de branche en branche. Oui. Peut-être était-ce un signal avec les pirates. Je sais qu'il y a un pacte entre eux et le Raja de Sarawak, William Druk. Et quel genre de pacte? Il leur donne carte blanche sur la côte et en échange de cette faveur, les pirates le protègent d'éventuelles attaques par mer. Tout me paraît bien tranquille. Ils nous ont à l'œil, mais je ne crois pas qu'ils nous chercheront des ennuis. Kamamuri. Oui?
Tiens l'équipage en alerte. Bien, très bien, Votre Altesse. Non, ne m'appelle pas Altesse, nous ne sommes pas en Assam. Très bien, Capitaine Yanez. On dirait que l'entreprise commence mal. Si Sandokan arrive ici, je ne donnerai pas cher de l'avenir de William Truk. Théotokris ! Théotokris ! Pourquoi viens-tu si tard ? Il m'a fallu faire attention. As-tu découvert le but et la raison de ce voyage ? Oui, le tigre de Malaisie tient à reconquérir le trône de Sarawak. Pourquoi dis-tu reconquérir ? Il appartenait à son père. Le tigre de Malaisie est un prince ? Oui, et l'usurpateur est un homme blanc, William Druk. Un homme blanc ? Il faut le mettre de notre côté. Et alors, comment agiras-tu, Sahib ? En joignant le Raja de Sarawak. Mais avant, nous devons sortir d'ici et vite. T'inquiète pas, on s'en sortira. Tu es un brave homme, Sidar. Et je m'en souviendrai lorsque nous retournerons aux Indes. Je ne fais pas cela par intérêt. J'ai moi aussi des raisons de détester, de haïr ce tigre de Malaisie. Il a tué mon père. Cache-toi ! Sidar, apporte-moi à manger. J'ai faim. Entendu, tout de suite. Est en difficulté. Préparez-vous à l'abordage.
Attention, attention, soyez prêts. Et ne tirez qu'une seule salve. Allez, poursuis-les, Sandokan. Sandokan. On va les poursuivre? Non, non. Non, 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 non. Peu de risque. Ne t'inquiète pas. Je ne crois pas qu'ils reviendront. Soigne les hommes. Ils l'ont bien mérité. Alors, pas de cigarette? Tu y as droit. Maintenant, vous savez pourquoi je vous ai réunis. Cela sera un plaisir pour nous de venger des parents en Sandokan et surtout de chasser les drogues de Sarawak. J'ai emmené 50 guerriers d'Assam, tous de vrais combattants comme les tiens. Plus 4 canons venant de Grande-Bretagne. Nous allons nous en servir à soi. Des canons anglais? En tant que ministre de la guerre d'Assam, j'ai modernisé les armements. Bien, je vais vous exposer mon plan. Sarawak se trouve sur le rivage du lac Kim. Il y a deux routes pour y parvenir. La plus longue et la plus facile, elle suit le cours du fleuve jusqu'au lac. L'autre est plus courte, mais traverse les montagnes. Il est impossible de la prendre avec les hommes et les munitions. Combien de jours nous faudra-t-il pour la plus longue? Oh, pas moins de 10. Alors, il faut nous séparer. Je prendrai la route courte, celle des montagnes. Tu iras seul? Non, j'irai avec Kamamuri et Sagapar. Oui, mais quelqu'un pourrait te reconnaître. C'est un risque que je dois courir. Mon peuple a assez souffert. L'heure des combats a maintenant sonné. Pourquoi ne me laisses-tu pas combattre à tes côtés? Nous avons toujours lutté ensemble. Non, mon frère. Tu conduiras la colonne le long de la rivière. Ça ne sera pas facile. Mais si tu réussis, nous lutterons encore ensemble. Mais il te faudra du courage. Sagapar, prépare 4 hommes tout de suite. Il nous faut une escorte, des vivres et des munitions. Nous partirons à la nuit. Bien. Pourquoi le tigre de Malaisie se bat-il ainsi pour le trône de Sarawak? Il est riche, puissant. Et ses terres
sont à Montprasem. Ce n'est pas loin d'ici. Sandokan est le fils de Kadangaru, le malheureux Raja. Quelle preuve avez-vous? Comment a-t-il été dépossédé? Il a une chaîne d'or et un médaillon gravé avec trois têtes d'éléphant. C'est le symbole, le signe de commandement des princes de Kindu. Seuls ceux qui le portent, exact, ont le droit de régner. Sandokan le porte, ce symbole. Puisque nous sommes alliés, je crois qu'il n'est guère nécessaire que tu me traites en prisonnier. De ce fait, je voudrais manger quelque chose. Je n'ai rien dans le ventre depuis hier. Ensuite, nous étudierons un plan commun et arracherons les dents de ce tigre. Sandokan et Yanez, c'est une partie difficile. Mais elle vaut la peine d'être jouée. Et si nous la gagnons, je suis certain de la gratitude dorée du Raja de Sarawak. Restaure-toi. Ensuite, tu vas me dire ton plan, et si je trouve sensé, alors peut-être bien m'unirai-je à toi. Étudions bien nos chances. Il ne faut rien faire à la légère. Thank you.
Le cheval de Samora. Aidez-moi. Vous êtes blessé? Oh, non, ça n'est rien. Je croyais qu'il n'y avait plus une seconde à perdre. Merci. Que faites-vous seul dans cette forêt? J'étais à la chasse avec mon oncle et j'ai perdu le contrôle de mon cheval. Qui est votre oncle? William Druk. Alors vous êtes la princesse Samora. Samora! Voilà, eh bien, maintenant que vous êtes sauvé, il me faut rejoindre mes amis. Attendez. Mon oncle va vouloir vous remercier. Samora! Je suis là! Ici, mon oncle! C'est Druk. Il me reconnaîtra sûrement. Partez devant, voulez-vous? Et je vous suivrai. Samora! Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien grâce à cet étranger. Quel étranger? Qui est-il? Je ne sais pas, je ne connais pas son nom. Je me nomme Ragmani. Je suis malais. Je vous suis très reconnaissant, Ragmani. Je vous prie de me croire. Et je voudrais vous prouver cette reconnaissance. Comment puis-je vous récompenser? Bon, cela n'est pas nécessaire. Il me suffit de savoir que cette jeune fille n'a pas une égratignure. C'est curieux, votre présence n'a pas été signalée à Sarawak. Je ne suis arrivé ici qu'aujourd'hui. J'étais en chemin pour le palais pour présenter mes respects au Raja. Vous ne pouviez lui rendre hommage de meilleure façon. Vous serez mes hôtes au palais, chacun d'entre vous, pour autant que vous le voudrez. Et je vous invite aussi à la chasse. Venez, je vais vous faire donner un cheval. Ici, juste entre ces murs, dans ce jardin, mes parents ont vécu. Et mes sœurs aussi. Et c'est là qu'ils ont été assassinés. Le Raja est craint dans cette ville. Tout le monde a peur, il faut faire attention. Je les tuerai tous, comme ils ont tué mes parents. Et aussi la princesse Samora? Si j'avais su que c'était elle, je ne l'aurais pas sauvée. Elle est très jeune. Je crois bien qu'elle est née assez longtemps après ses crimes, Sandokan. Mes sœurs aussi étaient très jeunes. Entrez. Son Altesse veut savoir si votre installation vous satisfait, Monsieur Ragmani. C'est parfait. Remerciez le Raja pour moi. Ce que vous avez fait aujourd'hui ne pourra jamais être oublié. La princesse Samora un jour sera notre reine, Monseigneur. Alors votre Raja n'a pas de fils? Si, un jeune homme qui est le cousin de la princesse et qui a reçu le surnom du Léopard de Sarawak. Il doit se marier avec la princesse. Et il est ici? Non, aux Indes, où il est étudiant pour quelque temps chez les Anglais. Et vous, Monsieur Ragmani, d'où est-ce que vous venez? D'Afrique? J'ai chassé en Malaisie, aux Indes. Et je suis ici maintenant. Dites-moi, aucune mauvaise rencontre durant vos longs voyages? Mais non. J'aurais dû en faire. Mais non, je voulais vous dire que des pirates rôdent par ici. Ce n'est qu'un conseil. Nous vous attendons et comptons sur votre compagnie ce soir. Vous m'en voyez très honoré. Messieurs. Il soupçonne sans doute quelque chose. Oui. Mais tu viendras avec moi ce soir. Et rappelle à nos hommes de rester sur leur garde.
Cela vous paraît étrange, sans doute, de voir un homme blanc gouverner cette région. Non seulement le fait qu'il y arrive. C'est très loin de l'Angleterre et le peuple est assez primitif, sauvage. Ici, un homme intelligent démontre ses qualités ou ses défauts en plein jour. S'il détient le pouvoir et doit savoir s'en servir lorsqu'il le faut. Je suis heureux ici et le pouvoir est à moi. Et maintenant, messieurs, ma nièce va vous prouver sa gratitude et va danser pour vous. À Bornéo, les danses servent à prouver la beauté, la grâce, ou à exprimer la haine, la gratitude et l'amour. Tous les sentiments de la vie et de la mort. Je croyais que la princesse Samoa avait été élevée plus à l'européenne qu'à l'indienne. Mon frère James était européen. Il était britannique, était son père. Mais sa mère était une indienne. Elle voulait que Samoa reçût une éducation occidentale. Mais elle exigea aussi qu'elle n'oublie pas les coutumes de son pays. Après le banquet, va dans les jardins. J'irai te rejoindre dans la palmeraie. C'est à toi maintenant, et selon la coutume, de rendre l'hommage qui t'a été fait. Sandokan. Personne ne m'a vu? Non, personne ne m'a vu. Bon, Sagapar t'attend. Suis-moi.
Samoa a regardé cet étranger avec d'autres sentiments que de la gratitude. Ne donne pas corps aux ombres. Ragmani va s'en aller dans quelques temps et tout redeviendra normal. Il a traversé nos terres sans que personne ne lui demande quoi que ce soit. Que veux-tu dire par là? Il est venu ici très secrètement. Ce qui revient à dire que nos services de surveillance sont inefficaces. Ne te préoccupe donc pas. Je sais ce que je dis, j'entends les conversations parmi le peuple. Voici déjà 25 ans, si je ne m'abuse, que je règne à Sarawak. Nul n'a encore essayé de s'opposer à moi. Exact. Nous avons éliminé un grand nombre de nos ennemis, et les autres ne bougent pas, ils ont peur. Mais les anciens se souviennent et commencent à reparler du vieux Raja, et les jeunes écoutent leurs paroles avec beaucoup d'attention. Le vieux Raja est mort, et ses fidèles anéantis. Je ne suis pas effrayé par des ombres. Quand Sagapar m'a dit que toi, le fils de Kaiden Garu, tu étais parmi nous, j'ai hésité à le croire. Pour tous ici, tu étais mort il y a bien des années dans les marais. Attends que la nouvelle parvienne en ville et tu verras toute la population venir à toi. Maintenant, nous avons un chef. Dans quelques jours, Yanès et ses hommes seront à Sarawak. Alors tout le peuple se soulèvera. Ne crains rien, le peuple ne te décevra pas. La servante me dit que vous vouliez me voir. Oui. Pourquoi? Je savais que je ne vous aurais jamais revu si je ne vous avais demandé de venir. Et pourquoi cela? Même cet animal vient manger dans votre main. Et c'est un... Un exécutant. Oui, je le sais. Oui, mais pourquoi le blâmer? Il était bon quand il est né, comme le sont toutes les créatures. On lui a appris à tuer. Alors il tue. Ce n'est pas de sa faute. Voilà, c'est pourquoi nous sommes des amis. Je vous ai demandé de venir, car pour cela, j'ai de bonnes raisons. Oui, l'autre nuit, je vous ai remercié comme dans mon pays, c'est l'usage. Maintenant, je veux aussi vous remercier à l'occidental, en vous serrant la main. N'importe qui à ma place aurait fait de même. Voilà, et maintenant, excusez-moi. Attendez, pourquoi m'évitez-vous? Je n'aime que la solitude, princesse. Oui, j'ai passé une grande partie de ma vie dans les forêts. Je ne suis pas habitué à ce genre de vie. La vie de la cour n'est pas très gaie. Mais vous avez quand même de bons moments. Trop peu, hélas. Et pourquoi? Il n'existe rien d'autre à Sarawak que la crainte. Et cela a toujours été ainsi? Je n'en sais rien. J'ai entendu dire que le peuple était plus heureux sous le règne du vieux Raja et de sa famille. Et que savez-vous de sa dynastie? Je ne sais qu'une chose, c'est qu'ils se sont tués entre eux et que mon oncle a sauvé le pays. Et vous, vous croyez cela? Comment autrement connaîtrais-je la vérité? Je suis née 6 ans après et ensuite je suis allée à l'école en Angleterre. Pourquoi êtes-vous revenue? J'avais le mal du pays. J'aime ces régions et le peuple et sa façon de vivre. Quelquefois, je mets des habits occidentaux, mais... Je ne suis guère à mon aise, habillée comme ça. J'ai entendu dire que vous alliez vous marier avec votre cousin, le fils du Raja. Est-ce exact? Oui. Et vous l'aimez? Je n'ai pas le droit de penser autrement, car l'amour est chose interdite à Sarawak. Quoi qu'il en soit, un jour, il m'épousera. Parce qu'on obéit aux ordres, c'est tout. Et nul ne désobéit en aucune manière aux ordres. Alors, excusez-moi, prince. J'ai encore bien des choses à faire.
tambours ne battent plus. Sans doute devait-il signaler notre progression. Peut-être croit-il qu'à présent, nous allons rester ici à bivouaquer. C'est peut-être une embuscade, qui sait. Regarde ces blocs de rochers là-haut. Là, à 300 mètres, la route se rétrécit et les canons y passeront à peine. Pourtant, nous devons passer, malheureusement, en une seule file. Avec une route pleine d'embûches, ce sera difficile, crois-moi. Il va y avoir de quoi se divertir. Ça ne fait rien, j'aime le combat pour le combat. Maintenant, écoute-moi. Nous campons ici, très mal, Naïk. Halt ! Nous campons ici ! Vous pouvez décharger ! Patol ! Oui, chef ? Dis-moi, tu te souviens des buffles qui vivent en troupeau le long de la rivière ? Oui, capitaine. Je voudrais que tu m'en amènes ici 4 ou 5, mais débrouille-toi pour que ce soit avant la nuit. Oui, chef. Les buffles sont prêts. Il est très mal, Naïk. Il est en route. Les autres canons sont en position? Oui, la piste est sous notre contrôle, capitaine. Bien. Décidé à parler? Je ne sais rien. Écoute-moi, Sidar, tu es intelligent, hein, dis-moi. Peut-être bien que
que ce n'est qu'une absence de mémoire. Non. Je dois te dire que j'ai d'excellents moyens pour te faire parler. Oui. L'odeur de la chair brûlée réveille toutes les mémoires et très vite. Allez, descendez-le. Non, non, arrêtez, arrêtez, je vais tout dire, je vais tout dire, arrêtez, je vais tout dire. Ça vaut mieux. J'ai entendu dire chez les prisonniers d'Ayak qu'il y avait un homme avec toi, un homme blanc. Qui est-il? Théotokris, le grec. Théotokris. Et où est-il? Il se dirige vers Sarawak. Très bien, dépêchons-nous. Si Théotokris arrive à Sarawak, Sandokan risque d'être découvert très vite. Tu as une âme pure et limpide, Samoa. Mangan, un jour, tu as dit qu'un homme viendrait d'au-delà des océans, qu'il m'emmènerait. Dis-moi, oui, dis-moi que c'est peut-être l'étranger. Il évite de me voir, il a peut-être ses raisons, est-ce exact? Je l'attends, je ne pense qu'à lui. As-tu quelque chose qui soit à lui? Peut-être un objet qui lui est appartenu ou qui l'est porté? Donne-moi tes mains. Toi, tu aimes cet homme. Et je m'aperçois qu'il t'aime lui aussi. Mais votre amour est impossible. Pourquoi? Hélas, bien du sang vous sépare encore. Oui, beaucoup de sang. Alors je n'ai aucun espoir. Il me faut me marier avec le léopard de Sarawak. Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jour, tu monteras sur le trône. T'es prêt. Les hommes sont armés et attendent des ordres. Qui fait trembler les montagnes. Oh, toi qui protèges le peuple de Sarawak, aide-moi. Toi? Mais que viens-tu faire ici, dans le temple de nos dieux? Il y a quelque chose d'étrange en toi. Et qui m'effraie.
Pourquoi continues-tu donc à m'éviter? Il est préférable que je t'évite. Préférable pour tous les deux. Morgane, la devineresse, a dit qu'elle avait vu beaucoup de sang entre nous. Est-ce exact? Il y a tant de choses qu'il vaut mieux que tu ne saches pas. Il me faut partir. Tu dois m'aider. Emmène-moi avec toi. Le sang est plus fort que l'amour, Samoa. Il est préférable que nous nous oublions. Il le faut. Hélas, ça me sera difficile. Nous le devons. Tout nous est interdit. Tout nous sépare, c'est impossible. Adieu. Donne-moi la preuve. Fais prisonnier ton hôte, le chasseur, et tu verras qu'il porte l'emblème des Kindo. Va chercher Kayam. Dis-lui de venir immédiatement. Et toi, rappelle-toi bien de ça. Que si tu m'as menti, je t'enverrai à l'éléphant. Et si je t'ai dit la vérité? Alors demande-moi. Et je te donnerai tout ce que tu voudras. Le tigre de Malaisie et le capitaine Yanez ont dépossédé le Raja d'Assam. Promets-moi que tu l'aideras pour qu'il remonte sur son trône. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, c'est promis. Si tu as dit toute la vérité. Sandokan, qu'est-ce que tu fais ici? Les gardes du palais sont en alerte. Tu as été découvert. Je dois rejoindre Sagapar au plus vite. Trop tard, regarde. Allez vite. Arme-toi. Allons-y. Oui, Samoa. Que se passe-t-il? Les gardes du Raja poursuivent l'étranger. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? N'aie pas peur. Tu es un ennemi. Non, je ne suis pas ton ennemi, Samoa, je te le jure. La devineresse avait raison. Vite, Samoa, ils arrivent. Samoa, je suis l'ennemi de ton oncle. Il a tué ton père. Maintenant, le crois-tu? Et moi, je veux te défendre. Samoa! Samoa, ouvre cette porte! Viens. Allez, vite! Samoa! Oui, oui, mon oncle. Un instant! Tu es éveillé? J'ai entendu tirer. Que se passe-t-il? Nous donnons la chasse à un grand chasseur. Ragmani? Oui, au seigneur Sandokan. À Sandokan, le pirate. Sandokan, le tigre de Malaisie.
tigre de Malaisie. Ce pauvre fou essaie d'attaquer Sarawak. Il ne peut avoir disparu. Ma nièce ne le cache certainement pas, Lumba. Il a dû se cacher autre part. Sauter par une autre fenêtre. Allez, viens. Sandokan, tu es un pirate. Tu n'as qu'à me livrer à ton oncle. Je voudrais essayer de te haïr. Je ne puis. Pourquoi? Ce n'est pas un pirate, Samoa. C'est lui le vrai, le seul Raja de Sarawak. Voyons, monseigneur. Ma maîtresse vous aime. Toujours rien? Non. Continuez les recherches. Suivez-moi. Allons, ils ne se sont pas volatilisés dans les airs. Kayan, as-tu laissé des hommes devant la porte de Samoa? Oui. Mais en d'autres aussi sous ses fenêtres. Vous perdez vos esprits, vous parlez de la nièce du Raja? C'est une femme, Kayan. Une femme. Les gardes arrivent. Oui. Je reviendrai plus tard. Saute! C'est exact. C'est grâce à moi qu'il s'est échappé. Il s'est échappé grâce à toi et contre moi, ton oncle. Et tu as fait cela contre ton pays. Ici, ce n'est pas mon pays, ni le tien. Ce pays est à... Et maintenant, je comprends pourquoi tu es détesté. Mets-la au cachot. Je déciderai de son sort. Connaîtrai-je vos intentions, Altesse? Que s'est-il passé? Ils nous ont découvert. Quoi? Ils nous ont découvert. Samoa m'a aidé et sauvé. J'ai envoyé Kamamori voir Yanez. Je veux des hommes armés et prêts à agir. Nous devrions partir d'ici, Sandokan. Retournons au bateau. Nous reviendrons une autre fois. Non, nous restons et combattrons pour bien autre chose qu'un trône.
En fusil. Non, nous ne pouvons pas les arrêter ainsi. Tout le monde à l'abri! Vite! Sacrée bête. Avant, elles nous ont servi, mais maintenant, j'ai bien l'impression qu'elles servent à notre ennemi. Et je crains que cet ennemi essaie de nous attaquer. Le plus tôt possible. Capitaine Yanez! Capitaine Yanez! C'est Kamamori. Capitaine Yanez! Capitaine Yanez! Merci. Que s'est-il passé? Sandokan a été découvert. C'est la garde du Raja qui encercle tout le palais. Toutes les routes qui conduisent à Sarawak sont bloquées. Devons attaquer par le lac. Oui, mais où? C'est pas difficile, là où la rivière se jette dans le lac. Attention, il y a les bateaux du Raja armés de canons. Oui, je sais, je les ai vus ce matin. Très mal, Naïk. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Allez, viens. Peuple de Sarawak, la princesse Samoa est accusée de haute trahison et condamnée à mort. Elle sera livrée au bourreau exécuté demain, au lever du jour, devant les marches du temple. Quoi? Des embarcations approchent. Qui va là? Les envoyés du Raja de Sarawak. Montez à bord. La garde! Rassemblez la garde! Je vous assure que je ferai un rapport favorable au Raja. Merci, chef. Et les hommes? J'ai une mission des plus secrètes, je dois parler au commandant. Alors, venez. Commandant! Commandant! Laisse-moi dormir en paix. Par ordre du Raja. Hein? Du Raja? Je suis le chef Théotokris, conseiller du Raja.
À votre service. Allez, laissez-nous. Alors, combien de canons avez-vous à bord de ce bateau? 12. Et comme munitions? Bon, assez pour raser 10 villes à la ronde. Très bien, très bien. Mais que se passe-t-il? Hein? Sarawak est en danger. Il doit être absolument défendu. Ah. Mais quel est tout ce bruit? Les renforts, je pense. Ils sont en train de prendre position. Ah. Allons, messieurs, prenez vos aises. Mais seulement gardez vos mains en l'air, hein? Mais qu'est-ce que c'était, ce signal? Ce signal devait me faire savoir que les renforts maintenant sont en place. Ah bon. Je vais donner l'ordre d'appareil. Non, capitaine. N'en faites rien, je vais moi en donner l'ordre. Mais tout est fait, capitaine. Parfait. Faites le signal à Trémalnaïk. Voilà, maintenant, je veux aller sur les autres bateaux. Veuillez m'y conduire. À vos ordres. Au pays, le thé n'est pas aussi bon. Adieu, Lumbo. Allons-y, faisons vite. Verrouillez les portes. Ils sont tous pris au piège. Altesse, deux bateaux nous attaquent du fleuve. Redoublez le feu. Et toi, Lumbo, va, monte jusqu'au puits de pétrole, fais couler le liquide vers le temple et mets le feu. Parmi nous, qu'allons-nous faire? Suivez-moi. Nous sommes pris. Est-ce que ces caves mènent au dehors? Non, nulle part. Thank you.
Regardez, ils se préparent à l'attaque. Allez, vite, quelques hommes pour les contenir. Ça suffit comme ça. Maintenant, mettez-y le feu. À Sarawak, rien de tout cela ne serait advenu.
Jumbo. S'il n'y a aucun danger avant, Jumbo, lui, te protégera. Maintenant, tout va bien, tout est fini. Et lorsque le calme sera revenu, Samoa et moi, nous nous marions. Et bien sûr, tu seras notre hôte. Je crois bien qu'il vous sera difficile de vivre tranquille. Cela me paraît impossible. Et tôt ou tard, nous lutterons encore ensemble. Cette fois, c'est fini, cher Trémalnaïk. Nous voulons vivre en paix, désormais. Nul ne peut prévoir l'avenir. Au revoir, mes amis. À bientôt, j'espère. Hissez les voiles! Sandokan!